tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Voilà, j'ai trouvé ce fameux bloc G-Action. Vous le saviez que je cherchais depuis un petit bout de temps. Il est enfin arrivé à Neufchâteau. Donc voilà, je l'ai acheté et j'ai plusieurs cartes d'anniversaire à faire. Donc je vais en faire plusieurs avec ce bloc. Et sur Vinted, j'ai trouvé ces cartes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais au dos, vous voyez, elles sont toutes prédécoupées. Et comme ça, on peut faire des petites animations sur nos cartes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les habiller, en faire des cartes d'anniversaire, dans les thèmes un petit peu flashy comme ça, un petit peu jaune, un petit peu bleu. Ça fait penser à l'été. Donc, bon, aujourd'hui, il fait très, très moche, mais ces derniers temps, il faisait quand même super beau. Donc, ça fait plaisir. J'ai prévu des petits rubans. Donc, vous voyez, les deux là. Voilà. Et le premier là, puis les deux du dessous. Ensuite, j'ai la planche de tampon là. Voilà, joyeux anniversaire. Je me suis préparé quelques petits tampons sur le thème de la plage. Donc, ceci, cela, voilà. Et cela, je ne sais pas si vous les trouvez encore dans vos actions, mais cela date déjà de l'année dernière. Hein. Vous voyez là, la collection là. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, déjà, on va choisir. Alors ça, j'ai vraiment pas payé cher du tout. C'était. Je ne sais pas s'il y avait des enveloppes avec. Je crois que les enveloppes n'étaient pas avec. Si, il y avait. Je suis pas sûre qu'elle soit dedans. Enfin bref, il y en avait 8 différents. Donc voilà. Et je vais vous montrer celle que j'ai faite déjà. Voilà. Je vous avais dit que je ferais une carte pour la fête des papas sur le thème du Tour de France. Je ne vous ai pas montré le tuto, mais par contre, la petite carte est là. Voilà. Donc vous voyez, avec tamponnage pour mon papa, des feuillages, des petits vélos. Et là. Vous voyez, c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, si on l'installe correctement, je vous montre, voilà, ça peut donner ça, vous voyez. Donc j'ai mis des maillots sur les parties qui sont en avant, voilà, pour faire un petit peu de relief. Là, j'ai écrit quelques étapes du Tour de France de cette année. Donc Brest, c'est le départ. Tignes, bah, c'est un peu une étape incontournable. Et puis Paris. Donc là-haut, le petit tampon que j'adore. Mon papa, c'est mon héros. Donc voilà pour ça. Ici, j'ai fait, vous savez, alors celui du fond, c'est un tamponnage, c'est un dies que Mimi m'a donné. Donc vous voyez, c'est déjà au moins la deuxième fois que j'utilise. Hein, Mimi, je m'en sers beaucoup de ton die. Je te remercie énormément. Ensuite, ça, c'est un dies de chez Action, on pouvait faire les cadres. Donc pareil, je m'en sers beaucoup aussi. J'ai fait deux fois le cadre et en fait j'ai découpé les petites parties qui étaient à l'intérieur blanches, je les ai collées dans les cadres noirs. Voilà, pour mélanger les deux. Et au dos, ça donne ça. Donc voilà, avec des tampons, toujours plus vite, les petits vélos. Voilà. Alors, les cartes là, quand vous voulez les plier, on peut les plier comme ceci. Bah, si je vous montre pas, voilà, vous pouvez les plier comme ça. On peut aussi la plier si on veut en accordéon. Voilà, il y a plein de façons différentes. Donc là, on va en faire une autre. Alors, je vais regarder un petit peu celle que j'ai. Voilà, vous voyez, celle-ci, tout en accordéon. Voilà, et bien écoutez, on va faire celle-ci. Donc, pour ce faire, on va basculer la caméra, comme ça vous verrez bien ce que je suis en train de faire. Donc, pour ce faire, il va falloir mesurer toutes les parties différentes. Et ce que je vais faire, je vais prendre un crayon de papier et je vais écrire au milieu les tailles qu'il nous faut. Donc, pour ici, là, on est à 9,5. Donc, nous allons faire 9 en 9,2. Au plus haut,
14,5, donc 14,2. Voilà. Et après, on pourra découper pour faire les parties. Ensuite, ici, là, on a quasiment 11. Donc, on va faire 10,7. Voilà. À chaque fois, il faudra les faire x2 parce qu'il faut qu'on fasse le dos. 9,5, donc 9,2. Alors, là, on a la petite partie là. 4,8. Donc, on va faire 4,5 fois. Je pense que ça va faire 9,2 aussi. Ah non, là, c'est le 10,7. Si je ne prends pas la bonne mesure. Donc, pareil. Là, on a 10,8, 10,5. Donc là, on sera plutôt à 10,5. Pour faire pareil. Voilà. Et ici, on est à peu près à 14,5. Donc 14,2 fois 9,5. Donc 9,2. Voilà. Déjà ça, on aura les parties là aussi. Là, on est à 1,7, donc 1,5 fois 9,2. C'est les mêmes mesures pour ici. Donc du coup, on fera cette taille-là fois 4, hein, si vous voulez. Donc maintenant, on va choisir nos papiers. Voilà, cette collection-là, moi, je l'adore. Bon, celle-là. Du côté là, regardez, super joli. Ah, ça j'adore. Voilà, on va se prendre les fleurs là, avec les petits carreaux, regardez. Tout dans les tons bleus, bleu et jaune. Ça fait très Brigitte Bardot. J'ai un maillot de bain comme ça, moi. J'aime beaucoup. Les petits pois. Regardez celui-ci. Je vous le montre hein, rapidement. En même temps. Voilà, puis là, on passe au double. Là, il est beau celui-là. Ça fait un petit peu comme de la corde. Très, très beau. Bon, voilà. On va donc rester sur cela. Donc, on a dit que notre carte, elle va se présenter comme ceci. Ou plutôt comme ceci, je crois. Donc, pour la plier, c'est toujours le problème. Moi, je préfère les plier en 3, en fait. Eux, ils les plient en 15-15, je ne sais pas trop comment. Je pense qu'une fois faite, on verra mieux ce qu'on fait. Donc là, on va faire une partie là. Donc 14,2 sur 9,2. Donc on va faire au massicot. J'ai changé ma lame, donc ça devrait être un petit peu mieux. On va en faire deux. Voilà. Et puis, on peut faire le dessus, là. 9,2 sur 1,5. Alors en fait ma lame va impeccable, mais c'est mon support là qui est abîmé. Comme j'avais découpé du carton, si vous voulez, le fait de forcer un peu,
Ça a découpé mon plastique et ma rainure n'est plus aussi droite qu'avant. Et du coup, elle se prend dans le plastique. Ça l'abîme. Il va falloir que je me rachète un massicot. Donc là, on a dit 1,5 et il m'en faut 4. Alors, plutôt le faire comme ça. Voilà. Les vacances d'été qui se préparent un petit peu. Bon, je sais que tout le monde n'a pas la chance de partir. Alors, pour vous faire voyager un petit peu, moi ce week-end je suis partie au lac du Der, comme je vous avais dit, et je vous mettrai les photos. C'est un endroit que j'adore, c'est à 1h20 de chez moi. J'ai découvert un petit camping adorable. C'est la première fois que je partais en camping, je vous l'avais dit, hein. Et j'ai vraiment adoré. C'était hyper relaxant, tout à pied pendant le week-end. On n'a pas pris la voiture du week-end. Enfin, c'était vraiment très très bien. Donc, je vais vous mettre des photos. Vous allez voir le lac du Der. Tout le monde appelle ça la mer en champagne. Vous verrez les photos, c'est vraiment chouette. Voilà, donc on se retrouve, j'ai été coupée hier et nous revoilà aujourd'hui. Alors du coup, on revient avec le soleil. Ça fait du bien. Donc, il faut que je continue à faire mes découpes pour cette feuille. Donc maintenant, je vais prendre avec les petits points. Donc là, on a déjà fait celle-ci et celle-ci. Voilà, de chaque côté. On va faire pour le milieu, donc 10,5 sur 9,2. On va en faire deux fois parce qu'on fera une pour le dos. Donc sur 9,2. Ensuite, je vais faire les petites découpes pour les deux parties là. Donc, il me faut 4,5. Sur 1,5. Là, il en faut deux. Et j'en ferai deux d'une autre couleur. Voilà. Et là, j'ai envie de faire la partie là, mais qui sera de l'autre côté, si vous voulez. Donc, à nouveau 14,2. Ça. 14,2. Une 9,2 et le tout fois 2. Voilà, là il reste alors avec le carreau 10,5 sur 9,2.
Non, ça, on l'a déjà fait. On a déjà fait les deux. La petite partie qui est là. Je vais faire la petite partie là. 10,5 sur 4,5. Et à nouveau les deux petites parties là pour faire au dos. Donc 4,5. Voilà, je pense qu'on a tout. Donc, là, ce qu'on va faire, on va déjà coller les parties simples. La partie là, ça va être celle-ci. Ça va être les deux parties où il va falloir refaire les découpes. Parce que vous voyez, il y a un pli, il y a ça qui est enlevé. Donc, on fera après. On va déjà coller les parties faciles. Moi, je voulais surtout vous faire ce tuto, en fait, pour vous montrer quoi faire avec ces cartes-là. Je ne sais pas si vous les aviez eues. Je pense qu'elles datent hein, déjà. Hein. C'est pas de tout de suite qu'il y avait ça chez Action. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Alors, on va se disposer un peu. Donc là, moi, j'ai ça là. J'ai ça ici. Ça ici. Une partie comme ça. On voit déjà les couleurs qui rendent super bien. Voilà. Donc là, on va coller tout ça. Après, on se fera des tamponnages et puis on aura fini notre carte. C'est très rapide, hein? Et en même temps, hyper plaisant. Enfin, moi, les couleurs-là, en tout cas, j'adore. Et pour faire des découpes un petit peu... Enfin, pour faire des beaux tamponnages, je voudrais les faire sur du papier blanc, dans l'idéal. Pas avec un petit peu de jaune. C'est vraiment bien important de prendre toutes vos mesures. C'est grâce à ça que votre carte sera réussie. De faire des belles découpes. Coordonnez vos papiers, comme je vous l'ai déjà dit, hein, vous prenez un bloc, vous êtes sûr que tout va ensemble. Après, quand vous avez un petit peu plus l'habitude, vous pouvez mélanger plusieurs blocs ensemble. Mais pour démarrer, je vous conseille vraiment de toujours faire avec tout avec le même bloc. Voilà, vous vous disposez un petit peu tout. Voilà. Aujourd'hui, on a le soleil qui est revenu. J'ai ressorti ma robe d'été. Hier, vous avez vu, hein, le début de la vidéo, je suis en pull. Hein. Oh, il faisait pas beau. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir mesurer. Savoir combien on veut enlever ici et là. Il sera un peu plus. Par contre, on le fera que deux fois. Parce qu'une fois qu'on aura la forme là, on aura celle de l'autre côté et pareil pour ici. Qu'on n'aura pas besoin de découper les quatre parties. Là, on est pas mal. Donc là, moi, je vais les faire comme ça. Et ici, celui-ci. Et là, comme ça. Donc. Pour faire ici, on va se mettre, vous voyez, en face de cela. Et on va se faire un petit trait de là où on voudrait découper.
Et ensuite pour la hauteur, pareil, on s'aligne avec la partie là. Et on va se faire une découpe ici. Là, pareil, on s'aligne avec là. Et on va faire quelque chose par là. Voilà. Donc là, moi, je veux celui-ci, pareil avec l'autre. Donc, je prends les deux ensemble. Et vous voyez, j'ai fait mes formes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir au crayon, si vous voyez. Donc, je vais découper et vider les deux parties-là. J'aurais pu faire au massicot, mais bon, pour plus de précision, puis... Voilà, c'est des petites parties, donc je vais les faire. Et donc là, regardez, comme ça colle super bien, sans jeu de mots. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour la partie là. Donc là, on va s'aligner avec ici. D'accord? Et là, on s'aligne avec la partie, parce que là, en fait, on va évider la partie plutôt qui est en haut. Après, on pourra gommer, hein. Et là, je pense que je vais plutôt faire au massicot. Parce que c'est une plus grande partie qu'il faut que je découpe. Voilà. Vous voyez, c'est la partie là qu'il faut que j'enlève. Oh, quoique, ça va aller vite. Non, je vais faire. Voilà. Donc, vous voyez, j'enlève la partie qui est en haut. J'espère que vous arrivez à voir. Ok, un petit peu de contre-jour. Peut-être mettre de la lumière quand même.
Voilà, et regardez. Impeccable. Alors, on va gommer les petites traces de crayon. Très légère. Actuellement, j'ai plus de taquis glue. Hein, pour ça, vous me voyez utiliser la colle All-Purpose Glue. Alors, si j'étais en train de faire un album, je ne prendrais pas la colle là. Faudrait quand même racheter la taquis glue. Mais comme là, je ne suis pas en train de faire un album, et ben au moins, ça utilise la colle là. Ça évite de racheter. Elle va très très bien pour faire les cartes. Mais voilà, pour faire des reliures, pour tout ça, bon, il vaut mieux quand même la taquis glue. Moins de surprises avec. Alors, est-ce qu'on a tout rempli partout? Mais oui. Mais oui. Donc, du coup, on va se laisser tout ça de côté. Donc, cette petite carte, on a dit qu'elle se pliait comme ceci. J'ai un peu le mal de voir comment qu'on doit la mettre, en fait. Faut que j'inverse les plis. Voilà. Et ça, c'est pareil. Ça doit aller là. Et le pli là, là-bas. Mon accordéon, en fait, elle va. Voilà. Regardez. Vous voyez? Comme ceci. Donc maintenant, on va la décorer. Donc moi, j'avais pris ces tampons-là. Donc, je vais les faire. Faire, il me faut du papier et je voulais aussi prendre un petit peu de tampon été tropique parce que ce qui est très joli, les tampons comme ça, c'est de les détourer. Mais quand on veut faire une carte assez rapidement, on utilise des dies. Voilà, et ça facilite énormément le travail. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette carte. Donc on va prendre le côté lisse qui est beaucoup plus joli. Donc quand vous faites comme ça, vous vous laissez des espaces entre chaque tamponnage. Qu'au début, vous ne savez pas trop quel dies vous allez choisir. Là, j'ai un petit appareil photo, je trouve adorable. Une petite glace, ça fait très été. Et puis si vous voulez, vous pourrez vous rajouter de la couleur, hein. Ça c'est à souhait. Jolie guirlande là, qui est très sympa. Voilà, je vais m'en faire deux. Alors, la seule chose, c'est que moi, les sentiments, j'aime pas quand c'est écrit en anglais. Voilà, sur mes cartes, j'aime pas qu'il y ait de l'anglais dessus. Donc, c'est vrai que les sentiments anniversaire, tout ça, happy birthday, ben, moi, ça me dérange toujours un petit peu. Oh, il est beau le cadeau là. Super chouette, hein. Voilà, et puis après, on a des petites notes de musique, des petits nœuds. Ça, on les utilisera plus pour faire des fonds. Voilà. Ah ben, il y a la guirlande là aussi.
Qui sont... Voilà. Comme je voulais en faire une carte d'anniversaire d'été, hein, parce que là, il y a plusieurs scrap copines qui ont leur anniversaire en été, donc on va essayer de faire des cartes d'anniversaire sur le thème actuel. Là, il y a le mot vacances. Faire son anniversaire en vacances, top. Ben moi, je partirai cette année le jour de mon anniversaire. Je roulerai le jour de mon anniversaire. Ça, c'est chouette. Voilà. Je vous montrerai après de plus près, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Allez, on va faire un petit poisson. Puis après, il y a une lunette de soleil qui font très girly. J'aime beaucoup. Et le poisson, là, je pense que je le ferai en... Je le colorierai. En bleu et jaune, comme ça. On reste dans le thème. Voilà. Puis là, vous voyez, une lunette de soleil, là. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Plage, farniente, mojito, boulot par terre. Bon, on va pas parler de boulot pour les lunettes de soleil, là, elles sont sympas. Pareil, si vous ne voulez pas les coloriser, vous pouvez très bien les faire avec des encres de couleur. Ça peut aussi être une autre alternative. Hein, je vous dis un petit peu tout ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas faire d'aquarelle, de mise en couleur, de tout ça. Des fois, on a envie de faire des petites cartes très très jolies. Mais voilà, rapidement. J'ai bien mérité un petit mojito. Sympa. Voilà, bon. Nos tamponnages sont faits. Donc là, il ne reste plus qu'à trouver les dice qui vont avec. Alors, moi, j'ai une petite pochette, vous vous souvenez, hein, c'est la petite pochette que j'avais emmenée à mon week-end à Saint-Malo. Et en fait, ce sont des petites découpes très simples. Enfin, pas très simples que je veux dire, mais pour faire des petits tours. Des petites étiquettes, des choses comme ça. Voilà. Donc, j'aime bien avoir ces dies-là toujours à portée de main. Là, par exemple, vous voyez cet appareil photo. Alors, j'ai retrouvé un tampon. En fait, que j'avais eu en cadeau dans les magazines, vous savez, les magazines de scrapbooking, il y a souvent un tampon avec. Et alors celui-là, je l'avais trouvé magnifique. Donc c'est la collection Adza. Vous savez, ceux qui font du loisir créatif à domicile. Voilà, celui-ci. Donc je l'ai tamponné comme ça. Découpé et j'ai fait une autre découpe voilà je le mettrai en relief dessus comme ça il ira un peu perdu que cette carte hein. Voilà il ira sur le dessus le devant de la case comme ceci alors je pense que je rajouterai un petit peu de couleur neutre, c'est-à-dire du jaune. Je pense que ça fera un bon contraste parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de bleu en fait. Donc là, on va strier un peu toutes nos découpes. Et puis, il faudra que je fasse
un petit peu donc du les découpe dans du jaune. Que là, ça fait un petit peu trop. Donc le jaune, j'en ai là. Ça pareil, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Vous savez, j'ai fait le tamponnage. J'ai bien mérité un petit mojito. Le seul truc, c'est que j'ai fait la découpe après et c'était une découpe qui était pleine. On a des dies comme ça. Voilà, quand ils sont. C'est-à-dire que quand vous les mettez à l'envers, vous ne savez pas comment vous découpez. Donc quand vous avez des dies comme ça, faites d'abord votre découpe. Seulement après, vous tamponnez. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien. Moi, je vais la refaire, mais c'était pour vous montrer de ne pas faire comme ça. Voilà, on se retrouve. J'ai fait toutes les petites découpes. J'ai rajouté des découpes en jaune. Maintenant, nous allons composer notre carte. Donc moi, j'ai envie de la faire comme ceci. Hein, vous voyez, je vous avais dit que j'arrivais pas trop à savoir comment la mettre dans un sens, dans l'autre. Donc je me suis dit, je vais la mettre en accordéon. Donc en accordéon, comme ceci. Comme ça, on ouvre et on ouvre. Pour que ce soit plus facile, je vais couper la partie ici. Vous voyez, comme ça, quand on refermera, ça ne coincera pas. Donc là, on va couper tout simplement ici. J'avais fait pareil sur la carte, sur le Tour de France. Voilà, parce que c'est vrai que ces cartes-là, bah, elles sont très sympas à décorer, très originales, mais au niveau du pli, au niveau comment l'utiliser, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce que vous pouvez faire, si on fait ça, vous pouvez très bien insérer un ruban à l'intérieur pour pouvoir faire un nœud et en insérer un autre ici. Moi, je pense que je mettrai un petit bout de scratch. Voilà, tout simplement. Donc ça va être notre devant. Alors, moi, j'avais envie de mettre... Voilà. Donc je vous ai dit, c'est une carte d'anniversaire. Donc on va décorer sur le thème anniversaire, mais toujours avec les mêmes tons, jaune et bleu. Voilà, donc moi je voulais mettre ça en plein milieu. Je voulais mettre bien évidemment le sentiment que je vais trouver. Bon anniversaire. Et ça au milieu. Voilà. On peut faire soit comme ça, soit que comme ça. Non. Ah, ou alors je le mets à l'envers. Non, moi j'aime bien le côté là. J'ai envie de le faire un petit peu en relief. Voilà, et le devant de notre carte, il y aura uniquement ça. Je voulais colorier un petit peu. Donc, je me suis sorti deux feutres à alcool, tuile marqueur. Donc, le Fresh Yellow. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le 44. Et le Sky Blue 76. Voilà. On va se faire un petit ballon. On va décorer aussi deux cadeaux. Ensuite, avec le bleu, on va faire les deux autres ballons. Voilà, je voulais vraiment que ça s'accorde avec le reste.
vous sentirez bien votre motif. Je vais remettre à nouveau du double face. Me poser la question, oui, plutôt là parce que l'autre côté c'était à l'envers. Donc pareil, vous centrez bien. Voilà, et moi je voulais voir si ça pouvait bien rendre de coller ça dessus. Ça peut être sympa. Faudra bien le couper. Alors, là, il faut que je le coupe pile poil ici. Alors, quand vous faites ça, soit vous le collez, donc l'idéal, quand vous voulez mettre un ruban comme ça en travers, l'idéal, c'est de le faire un peu plus grand et de le coller en dessous de votre papier décor. Voilà, comme ça fait super propre. Moi, j'ai oublié de le faire, donc du coup, je le coupe pile poil et je vais mettre du double face en dessous. Voilà, mais c'est vrai que si vous mettez en dessous du papier décor, ben là vous êtes vraiment parfait. N'y aura aucune trace, aucun débordement, enfin, ce sera vraiment parfait. Voilà, certains brûlent des fois le bord du ruban. Moi, je trouve que ça fait pas forcément très joli. Puis si ça s'effiloche, bah, ça s'effiloche. Hein. Après, c'est du tissu, donc voilà. Mais voilà, mettez-le par en dessous. Ce sera beaucoup plus joli. Donc voilà, vous essayez de le centrer. Et là, par contre, je vais le coller à plat. Voilà notre devant de la carte. Ensuite, à l'intérieur. Là, j'ai un petit loupé avec. Je vais pas la mettre. Donc là, bah, vous pouvez vous éclater. Hein. Moi, la partie du milieu, je la garde pour mettre du texte. D'accord? Donc, je ne vais pas la décorer exprès. Et là, bah, voilà, vous y allez, vous mettez tous vos petits décors. Moi, je vais juste mettre ça ici. On n'est pas obligé de tout mettre à chaque fois. Moi, j'en fais toujours un peu plus pour avoir le choix. Et après, on essaiera de faire un marque-page avec ce qui nous reste pour offrir avec, pour faire un petit ensemble. Voilà, c'est toujours sympa de faire plusieurs cadeaux qui vont ensemble. Donc, vous voyez, j'ai utilisé que deux couleurs. Hein. Donc, des couleurs qui vont ensemble et que deux. Voilà, faut pas faire carnaval. Dès que vous commencez à partir dans trois couleurs, bah, faut que vos papiers soient raccords. Hein. C'est moins évident. Hein. Voilà, donc après, vous faites un petit mot
sur un petit bout de papier, puis vous voyez, vous le collez ici, comme ça la personne, quand elle ouvre, eh bien, elle a son petit mot en plein milieu. Ça, je vais le mettre avec du papier, du scotch relief. Toujours, hein, alterner, coller à plat, coller en relief. Ça amène de la vie à votre création. Je trouve super beau ce tampon. Le cadeau, là, il est chouette, hein. Alors, comme c'est pas la taquiglu, ça colle pas tout de suite, tout de suite. Pour ça, hein, je vous ai dit, la all purpose, c'est pas pour faire un album, hein, parce que vous allez galérer et ça va vous couper l'envie de faire votre album. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour se gâcher notre envie. Le petit cœur, il va être sympa ici. Ici, on va se mettre la petite glace. Vous voyez, vous mettez juste un petit cœur qui rappelle la couleur là. Donc, voici notre carte. Alors, joyeux anniversaire, un an de plus. Donc là, on ouvre, ça fait comme ceci. Comme ça, au milieu, il y aura notre mot. Et quand elle referme, la personne qui le reçoit, elle a ça au dos. Voilà. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve super sympa. On va se faire le marque-page qui va avec. Alors, en chute de papier. Je vais utiliser celui-ci pour le fond. Comme ceci, regardez. Bien, pour un marque-page, moi je fais toujours en largeur 4 pour le fond. On a combien là? On a, alors on va se le couper à 30 et puis je vais faire 2 x 15, comme ça nous fera deux marque-pages. Donc 4 sur 15, donc les deux là, 3,5. Sur 14,5. Voilà. Moi, j'aime bien arrondir les angles pour un marque-page, toujours. Donc là, on va se coller ça comme ceci.
Je vais regarder mes découpes blanches. Que j'ai envie de rajouter un petit peu de blanc. C'est tellement fin les découpes. J'ai pas mal de papillons. Donc j'ai bien envie de mettre un petit papillon. Et puis là, comme ceci, avec un petit peu de jaune. Et la touche de craft qui va bien. C'est longtemps que j'ai pas mis de craft, hein. Je me remets un petit peu de colle ici. Voilà, un petit trou au-dessus. Parce que le marque-page, on y rajoute toujours une ficelle. Vous essayez de bien centrer. Et là, vous retournez votre marque-page et vous découpez tout ce qui dépasse. Voilà, le petit marque-page. Bon, c'est quelque chose de simple. Hein, vous savez que moi, je fais toujours du scrapbooking assez simple. Je ne fais pas pour faire des choses très compliquées parce que j'ai envie que tout le monde puisse réussir à les refaire. Là, je vais prendre de la ficelle. Moi, j'aime bien prendre de la ficelle naturelle. Ça rappellera un petit peu le craft. Et voilà, nous avons terminé. Voilà, donc la petite carte. Un petit peu accordéon et le marque-page qui va avec. Voilà, et ben j'espère que ce petit tuto vous a plu. Voilà, moi je voulais vraiment vous montrer comment faire pour recouvrir une carte qui a n'importe quelle forme. Vous avez vu, on a pris nos mesures. Après, on a décoré avec le même bloc. Ça fait une carte d'anniversaire. Voilà, donc c'était pour vous montrer cette petite astuce. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré comment accorder un petit marque-page à votre création. Voilà, comme ça vous pouvez faire un petit cadeau personnalisé. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager tout autour de vous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, scrap bisous et à la prochaine!